Je m'appelle Sylvia Serfati et je suis professeure au laboratoire Jacques-Louis Lyons de l'université Pierre et Marie Curie, où je fais ma recherche. Et je travaille essentiellement sur l'analyse mathématique de modèles qui viennent de la physique. Plus précisément, on s'intéresse à développer des outils techniques mathématiques et à utiliser les outils existants pour être capable de prédire le comportement de certains systèmes physiques sur la base des modèles proposés par les physiciens. Et j'ai en particulier travaillé, je travaille toujours depuis de nombreuses années, sur le modèle de Ginzburg-Landau, qui décrit le comportement d'un supraconducteur, notamment en présence d'un champ magnétique appliqué. Donc ce qu'on observe dans la physique, dans les expériences, c'est que un tel supraconducteur à basse température a un comportement assez particulier puisqu'il se développe, il perd toute résistivité à basse température et en présence d'un champ appliqué, il développe des tourbillons comme des filaments de vorticité. Et par ces filaments, le champ magnétique appliqué se met à pénétrer le matériau et détruit en quelque sorte la supraconductivité. Et ce qu'on observe, c'est que les vortex ou les filaments de vorticité s'organisent en formant des réseaux triangulaires parfaits. Et donc une bonne partie de notre analyse a consisté à essayer de comprendre pourquoi. Et ce qu'on constate, c'est que ces vortex se comportent comme s'ils étaient un système beaucoup plus simple de points, de particules qui interagissent en se repoussant, mais qui en même temps sont confinés par un champ extérieur. Et donc c'est la compétition entre le confinement, vous avez beaucoup de gens qui doivent rester ensemble dans une même pièce en quelque sorte, et la répulsion, c'est que les gens ne s'aiment pas, ils veulent être le plus loin possible les uns des autres, qui fait que finalement leur manière d'optimiser ces deux contraintes est de s'organiser en réseau triangulaire. Et donc on a essayé de comprendre ce phénomène, et également on a constaté que ce genre de phénomène intervenait dans une classe beaucoup plus large de problèmes. Donc on peut regarder des systèmes de particules avec des interactions plus générales, avec des potentiels de confinement, etc. Ce qui nous amène finalement à décrire des systèmes qui peuvent être motivés par la mécanique statistique, mais également avoir des liens avec les matrices aléatoires, des théories de transition de phase, etc. Et donc, d'une manière générale, ma recherche en ce moment s'oriente vers ces questions de développement de techniques, d'outils d'analyse pour décrire ce genre de système de particules en interaction, avec à l'avenir la possibilité d'étudier également la dynamique de tel genre de système, des transitions de phase qui sont prédites pour des systèmes où il y a des charges de signes opposés, c'est-à-dire des points qui peuvent se repousser ou s'attirer, etc. etc. Donc c'est un domaine qui finalement a des ramifications assez nombreuses.